question de Félix, tu sais qu'elle dit sécuriser l'ensemble du territoire. Chose, c'est que c'est vous-même qui êtes artisan, c'est le peuple qui est l'artisan et c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu parce que Dieu nous a aidés depuis le 38 ans de notre combat. Des personnes qui ont perdu la vie sont allées intercéder pour nos ciels et c'est pour ça que en ce jour nous devons avant tout louer le Seigneur, penser aux personnes qui ont perdu leur vie pour ce combat et penser à travailler beaucoup pour les honorer. Et c'est pour ça que nous demandons que tout le peuple congolais prie pour que le défi soit relevé. Merci. Mais c'est un grand événement historique puisqu'il s'agit de la première passation pacifique du pouvoir dans ce pays à l'issue des élections démocratiques. Mais c'est aussi avec beaucoup de sens de responsabilité qu'en tant qu'acteur politique, je suis en train de vivre cet événement historique puisque dès demain, le travail commence. Et vous connaissez bien les problèmes des Congolais qui sont multiples. Il est donc important que très rapidement, nous puissions nous mettre au travail pour essayer de relancer notre pays sur la voie de développement. Je voudrais en appeler à tout le monde, à toutes les composantes, toutes les parties qui ont pris part à ces élections, d'apaiser leurs esprits. Le président Félix Tshisekedi, nouvellement élu, est le président de tous les Congolais. Ceux qui l'ont voté, ceux qui n'ont pas voté pour lui, la majorité tout comme l'opposition. Et je pense que c'est dans cet esprit constructif, cet esprit véritablement nationaliste, que nous pouvons espérer rapidement relancer notre pays sur la voie du développement et résoudre les problèmes des Congolais qui sont multiples comme vous le savez. C'est un mélange, c'est un sentiment de joie immense, d'un soulagement immense parce que ça fait 9 ans que nous sommes en train de lutter dans l'opposition, ça fait 9 ans que nous attendons ce grand jour, il est là aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit que c'est avec... Je sens le poids de la responsabilité qui nous attend. Puisque désormais, c'est vers nous que se tournent les regards des Congolais. C'est vers nous que les Congolais vont chercher des solutions à leurs problèmes socio-économiques, sécuritaires, de développement. Donc c'est avec beaucoup de sens d'humilité et de responsabilité que je suis en train de vivre cet événement. Et comme je l'ai dit tantôt, dès demain, le travail commence. 5 ans, c'est... C'est très peu dans la vie d'un État et nous avons 5 ans pour montrer aux Congolais de quoi nous sommes capables, de quoi notre nouveau président est capable. Une grande joie, une satisfaction.
on vient de très loin, hein. De nombreuses années d'un combat rude, beaucoup de sacrifices. On a cheminé dans des conditions très difficiles, mais on y croyait, on y a toujours cru. On a fait une première expérience en 2011, on a tiré beaucoup de leçons. On s'est engagé corps et âme pour arracher d'abord le processus de 2018. On l'a eu. Dieu merci, on a la victoire en main. Maintenant, ensemble avec toute la nation congolaise, autour du président Tshisekedi, nous allons faire la victoire de la nation congolaise, redorer le Congo de son blason, donner le bonheur au peuple congolais. On va le faire par amour et dans l'amour. J'en suis extrêmement conscient, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas une minute de repos. On n'a même pas droit à se réjouir, parce que les difficultés et les besoins du peuple congolais sont énormes. On doit arriver à y trouver les réponses qu'il faut pour satisfaire toutes ces attentes. Et c'est par le travail qu'on y arrivera, donc Kisalumeban. Moment historique. Et des événements comme cela, j'en ai jamais vécu de ma vie. L'alternance tant attendue par le peuple congolais est finalement là. Nous y avons contribué à notre modeste place, notamment Vital Kamerhe, mon chef, qui s'est humilié, qui a accepté pour l'intérêt général de se mettre au-dessus de ses passions, de ses convictions, pour faire atteindre au peuple congolais l'objectif qui s'est toujours assigné, à savoir celui du changement. Bravo Vital Kamerhe, vous êtes le meilleur. Quant au président Félix Tshisekedi, sans vous, sans la conviction qui était la vôtre, sans l'espoir que vous avez suscité dans le peuple congolais, nous n'aurions pas eu ces jours. Oui, c'est une charge véritablement importante, mais nous nous croyons à la hauteur de cette charge et vous verrez très vite que le président Félix Tshisekedi sera un grand président, surtout qu'il a à côté de lui un grand homme aussi, Vital Kamerhe. C'est une grande joie, premièrement. Ça fait 10 ans de combat que nous avons mené dans l'opposition, aux côtés de ces gens en qui nous avons cru, notamment Félix Tshisekedi. Nous avons évolué avec Vital Kamerhe depuis bientôt 10 ans. Et il a fallu qu'au lendemain de Genève, que nous nous retrouvions ensemble avec le camp UDPS, aux côtés de Félix Tshisekedi, un grand homme aussi, qui vient d'être élu président de la République. Vital Kamerhe, d'abord, comme nous le savons, un grand homme, un grand cœur, n'a pas manqué d'abord à se diminuer, garder d'abord au frais ses ambitions, prenant d'abord les intérêts du peuple ou l'intérêt du peuple à travers ces désistements qu'il a fait pour le compte du candidat élu actuel, Félix Tshisekedi. J'ai cru en cette coalition, les CASH créés à Nairobi. J'ai cru aussi à cette victoire et c'est pourquoi je me suis engagé aux côtés de ces deux grands leaders, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, dans la coalition CASH avec le Fatih Vite. Et aujourd'hui, voilà que nous avons les résultats d'une grande bataille, les résultats d'un grand combat que nous venons de faire. Et aujourd'hui, c'est pour moi un grand plaisir de voir que la Cour constitutionnelle a rendu un bon arrêt. Et c'est pour moi un grand plaisir d'être aux côtés de ceux-là qui vont diriger aujourd'hui la République, l'opposition s'il vous plaît. Alors c'est ici pour moi une grande occasion de rendre hommage au président sortant Joseph Kabila, d'avoir accepté de quitter le pouvoir sans effusion de sang, d'avoir accepté de quitter le pouvoir sans crépitement des balles, d'avoir accepté de quitter le pouvoir avec les élections. Et c'est une première pour la République démocratique du Congo d'avoir un président sortant et un président entrant. Et le 22, c'est mardi, nous allons assister au passage de pouvoir entre un président élu et un président sortant. Je n'ai jamais vu en République démocratique du Congo. Et c'est une première. C'est pour moi une fierté d'assister à ça. C'est pour moi une fierté d'être aux côtés de ceux-là qui vont désormais diriger ce pays. Ça sera inscrit dans les annales de la RDC. Et enseigner à nos enfants, nos petits-enfants et pourquoi pas nos arrière-petits-enfants. Et alors, pour moi, je dirais tout simplement, de l'avant RDC, on va aller vers le développement avec Fatih Vite. Bande konanga na zoe bisabino ke oeza mama na esengo. Tozali na Beatrice, toko kikoloba ke Etienne Tshisekedi wa mulumba esika ya zali, molema na epe mana kimia. Pwete alobaki ke aboyaki kokunda ma to comprendre pourquoi. Alingaki mema peuple congolais tina victoire. Lelo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azaki déjà proclamé chef de l'État. Mais lokola baninga mususu
bazaki na mitema mabe, bazaki mitema zabolo. Et Seigneur a qui établissait le souci que non, hier on a déjà confirmé cour constitutionnelle et aussi qu'on confirmé que Yende Azali chef de l'État. Il y a moi à tous ans et Sengo Ming to baluka qui na mabele, et Sengo Ming na kaisi que Congolais n'ont ceci qu'Azali. Azali libanda mboka, Azali nakati mboka, où est la victoire? Y a cash, où est le bundaki? Oto sangana ki tolobi ke musapi moko esokole longite tala lelo ndenge tozi victoire na maboko esengweza makasi. C'est une satisfaction parce que nous avons gagné les élections comme publié par la CENI. Aujourd'hui la Cour constitutionnelle vient de confirmer l'élection de monsieur Félix de son excellence désormais de son excellence Félix Tshilombo Tshisekedi au poste de président de la République. C'est une grande satisfaction, d'autant que nous avions battu campagne pour ces messieurs. Nous avons cru en ces rêves. Aujourd'hui, ces rêves sont devenus une réalité. Donc, je voulais juste dire que c'est une soirée de joie. C'est un jour très sacré, très spécial, parce que c'est un changement. Le CASH a fait son président l'élu et c'est confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc on est joyeux, on est heureux. Nombreux s'attendaient à un tournant, mais Dieu a fait grâce parce qu'on dit tout pouvoir vient des dieux, donc je glorifie le Seigneur. Donc félicitations au président Félix Tshisekedi et à l'UDPS, félicitations au président Vital Kamerhe et à l'UNC, qui ont battu campagne dans toute l'étendue du pays. Ça produit un bon résultat et je pense que c'est ensemble, c'est dans l'union et le pardon que notre pays sera construit. Donc voilà. Ceux-là qui nous poussent au tribalisme, ce sont des inconscients. Parce que je pense que même le fait président Mobutu a dit qu'il a son idéologie, Moko, Tata Bomoko, Ekolo Bomoko, Maman Bomoko. Donc on est unis et on restera toujours unis. Et le président Fachi n'est pas le président de Baluba, c'est le président de tous les Congolais. Parce que c'est les Congolais qui l'ont voté. Et s'il faudra dire quelque chose, c'est que. Moi j'ai sillonné presque tous les pays, j'ai vu les partisans de l'UDPS au Bandundu, au Bakongo, à Kisangani, à Mbandaka, au Katanga, donc voilà, je sais pas, même à Goma ou à Bukavu quand j'étais passé. Donc je ne peux pas dire que c'est un président communautaire ou un président sectaire ou un président ethnique ou tribal. Donc voilà, c'est la joie de tous. Je suis très heureux, je félicite le président parce que et dit maman raté tant la camara et dit maman raté la soreza et la ka nzambe a zong a tombola raba na elaka. Donc le président Fachi, félicitations, comme on dit, congratulations. Donc en tout cas je suis l'un des piliers de l'UNC. Ce que je peux dire vraiment, que j'ai la joie parce que la patience a donné quelque chose et on a vu que le travail qui a abouti entre les deux personnes pour chercher à sauver notre pays. Et les réactions, en ce je peux dire que aujourd'hui c'est la libération du Congo. En voyant Félix Tshisekedi être élu comme président de la République et à son côté, il a comme Vital Kamerhe. Donc ça, je peux dire que pour nous, les Congolais, c'est la victoire. Ce que je peux demander à tous les Congolais, qu'ils laissent les Congolais réagir dans leurs propres problèmes, que les étrangers se coupent de leurs propres problèmes. Les Congolais, nous sommes assez mûrs, intellectuels, dans tout niveau. Nous sommes là pour reconstruire notre pays. Bien, monsieur Tshisekedi Dania, toute l'équipe, ensemble, le Raïs, la ministre. Donc, tout ça, les campagnes. Campagne moi, y a été difficile. Au senti que dans la carte avion, je crois que moi, l'image toujours illustrée. Moi, avion, tout ça, il y a des gens qui vont jeter, tout ça, il y a avion, moi, full, on va bien ramener. Tout ça, les campagnes. Campagne, ça l'a mis bien. Et l'équipe, on a félicité l'équipe Mobimba, on a mis en cash press. Au tout ça, qui est belé, sur le minatang, à combo, à M. Sunatang, il était aux abiantes. Bande de retour, il y a Ishabundu, jusqu'à Koussema, Bayan, Batabou. Stéphane Nyania, $760,000 à Pamba. Tout le monde va me souvenir de la budget.
bon a publié ça de droite à comment la volonté mais bah vient la biche de bunda la baron à opposition bah yebi ma capacité à mon amour donc canal soutien Mobimba staff Mobimba Congo Mobimba aux Ali victoire il y a congolais nion sur place aux Ali Togobo sur la biloté en tout cas ka... Voilà, mesdames et messieurs, nous étions ici à l'hôtel Béatrice où vous venez de suivre les différentes réactions de toutes ces personnes qui ont participé aujourd'hui à cette soirée électorale. Une soirée qui vient de confirmer Félix Antoine Tshisekedi comme 5e président de la République démocratique du Congo. Il succède à ce poste à Joseph Kabila Kabange, un président à qui nous rendons également hommage pour avoir gagné les paris. Et c'est Paris de la démocratie, lui qui a accepté de céder démocratiquement son fauteuil de la présidence de la République démocratique du Congo. Rendez-vous le 22 mardi prochain. Nous allons faire vivre encore la cérémonie de la prestation des serments du 5e président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, restez branchés sur Canal Futur, cette chaîne qui vous a fait vivre tout le processus électoral. Évidemment, il n'est pas encore fini. Nous allons encore vous faire vivre les élections sénatoriales et les élections locales, ainsi que celles de gouverneur. Après le déluge, voici l'arc-en-ciel. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'homme providentiel. Fatih. Tatana bamama, bajeme bilenge, bana ya komo to telemane sengo, tozela ki changement, zamba yo kino samo, atini Josué, asuna bana ya komo, vote Félixe, Tshilombo Tshisekedi, vote Fatihe, mokonzi ya komo, vote Félixe, kandida ya peuple. Le peuple d'abord, candidat numéro 20. Sa mission principale, éradiquer la pauvreté en République démocratique du Congo. Congolais et Congolais, tous à la vigilance, voilà. Tous à la prudence, il vote la théo. Lissonio son a irme, candidat moko la monoko. Comme Félix, Tshilombo Tshisekedi, vote fatigué. Anita y a raison, toko voté, Félix tu sais que dit, y'a fatigué, Anita y a peuple, candidat sans virus, candidat changement. Deuxième mission de Félix tu sais que dit, sécuriser l'ensemble du territoire.
La chose, c'est que c'est vous-même qui êtes artisan. C'est le peuple qui est l'artisan et c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu parce que Dieu nous a aidés depuis le 38 ans de notre combat. Des personnes qui ont perdu la vie sont allées intercéder pour nos ciels. Et c'est pour ça que, en ce jour, nous devons avant tout louer le Seigneur, penser aux personnes qui ont perdu leur vie pour ce combat. Et pensez à travailler beaucoup pour les honorer. Et c'est pour ça que nous demandons que tout le peuple congolais prie pour que le défi soit relevé. Merci. Mais c'est un grand événement historique puisqu'il s'agit de la première passation pacifique du pouvoir dans ce pays à l'issue des élections démocratiques. Mais c'est aussi avec beaucoup de sens de responsabilité qu'en tant qu'acteur politique, je suis en train de vivre cet événement historique. Puisque dès demain, le travail commence. Et vous connaissez bien les problèmes des Congolais qui sont multiples. Il est donc important que très rapidement, nous puissions nous mettre au travail pour essayer de relancer notre pays sur la voie de développement. Je voudrais en appeler à tout le monde, à toutes les composantes, toutes les parties qui ont pris part à ces élections, d'apaiser leurs esprits. Le président Félix Tshisekedi, nouvellement élu, est le président de tous les Congolais. Ceux qui l'ont voté, ceux qui n'ont pas voté pour lui, la majorité tout comme l'opposition. Et je pense que c'est dans cet esprit constructif, cet esprit véritablement nationaliste, que nous pouvons espérer rapidement relancer notre pays sur la voie du développement et résoudre les problèmes des Congolais qui sont multiples comme vous le savez. C'est un mélange, c'est un sentiment de joie immense, d'un soulagement immense parce que ça fait 9 ans que nous sommes en train de lutter dans l'opposition. Ça fait 9 ans que nous attendons ce grand jour. Il est là aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit que c'est avec... Je sens le poids de la responsabilité qui nous attend. Puisque désormais, c'est vers nous que se tournent les regards des Congolais. C'est vers nous que les Congolais vont chercher des solutions à leurs problèmes socio-économiques, sécuritaires, de développement. Donc c'est avec beaucoup de sens d'humilité et de responsabilité que je suis en train de vivre cet événement. Et comme je l'ai dit tantôt, dès demain, le travail commence. 5 ans, c'est très peu dans la vie d'un État. Et nous avons 5 ans pour montrer aux Congolais de quoi nous sommes capables, de quoi notre nouveau président est capable. Une grande joie